Le Rassemblement national vous a trahi sur la réforme des retraites. Je sors de l'Assemblée nationale où avait lieu pour la première fois un vote en hémicycle sur la question de la réforme des retraites. Vous le savez, on n'avait pas pu voter sur cette réforme des retraites compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron avait fait un 49-3. Et aujourd'hui, pour la première fois, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, nous proposions, nous, députés insoumis par amendement, un vote pour abroger la réforme des retraites. Eh bien, le Rassemblement national a voté main dans la main avec les macronistes pour protéger la réforme des retraites de M. Macron. Regardez le résultat du vote. Voici le résultat du scrutin. Pour 182, contre 232. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.